L'histoire commença en 1944. Peggy Harris, née en 1920 à Vernon au Texas, était une belle jeune femme. Elle rencontra un charmant jeune homme du nom de Billy, âgé de 22 ans, et pilote aviateur dans l'armée américaine. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et finalement se marièrent. Les jeunes mariés étaient ravis de commencer leur nouvelle vie de couple. Ils profitaient de la vie et avaient des projets sur le long terme, sans toutefois tenir compte des circonstances et des imprévus de la vie. Après quelques semaines de vie conjugale, Billy fut envoyé en mission en Europe où la Première Guerre mondiale battait son plein. Peggy fut choquée et terrifiée à l'idée que son mari devait la quitter pour la guerre, mais elle savait aussi qu'il devait accomplir son devoir. Peggy perdit rapidement tout contact avec Billy. Elle passa des jours et des nuits à se demander ce qui lui était arrivé. Elle attendit longtemps, mais aucune nouvelle ne lui parvint. Des jours, des semaines et des mois passèrent, mais aucune nouvelle de son époux. Finalement, la guerre prit fin. Peggy était angoissée car elle était toujours sans nouvelles de son époux et ne pouvait donc savoir si son mari était encore de ce monde ou non. Elle essaya de se remettre dans la vie, mais ne pouvait pas oublier. Elle fit un rêve dans lequel Billy frappa à la porte et cria « Je suis de retour à la maison ». Mais malheureusement, ce n'était qu'un rêve. Les années passèrent et cette situation devenait un fardeau lourd à porter. Il lui semblait même que tout espoir était perdu et que son Billy bien-aimé avait perdu la vie ou qu'il fallait tout simplement abandonner. Malgré tout, Peggy refusa de s'impliquer dans une nouvelle relation et jura de ne jamais se remarier, car Billy était l'amour de sa vie et elle ne pouvait pas trahir ce grand amour. Peggy commença timidement à faire face à la réalité. Elle savait que Billy avait probablement perdu la vie. 70 ans plus tard, l'un des membres de la famille de Billy décida qu'il était temps de découvrir la vérité. Il contacta le service des archives de l'armée et obtint l'accès au fichier de Billy. Il découvrit que Billy avait perdu la vie pendant la guerre. Cela ne fut une surprise pour personne. Cependant, d'après les documents, les circonstances autour de son décès étaient extraordinaires. Billy perdit la vie le 17 juillet 1944, soit 6 mois à peine après son mariage avec Peggy. Son parcours s'estompa en Normandie en France. L'avion qu'il pilotait fut abattu au-dessus des Ventes, une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie. En effet, l'avion de Billy fut touché alors qu'il survolait la ville. Pesant ses options à la vitesse de la lumière, Billy se rendit compte qu'il avait un choix à faire. Soit fuir l'avion en s'éjectant de son siège et ainsi sauver sa propre vie, ou alors rester dans l'avion et éviter que celui-ci ne s'écrase dans la ville. Il dirigea l'avion en flammes vers une forêt voisine pour éviter les pertes civiles inutiles. Il paya de sa vie cette manœuvre. Il fut enterré au cimetière local. La population continue de s'occuper de la tombe, bien que les restes aient été transférés par la suite au cimetière militaire américain. La place devant la mairie porte le nom de Billy Harris. Peggy fut très triste, mais aussi soulagée de connaître enfin la vérité. Elle voulait aller visiter la tombe de son époux en France. Quand Peggy arriva sur place, elle fut submergée d'émotion de découvrir que son mari est un vrai héros dans la ville, et il y a même une rue en son nom. En plus de cela, 3 fois par an, les habitants de la ville célèbrent son courage. Un vieil homme de 91 ans qui avait assisté au drame raconta l'histoire à Peggy. En effet, avec ses amis, l'homme était allé au lieu du crash. Ils avaient transporté le corps de Billy pour lui offrir un enterrement honorable. Pendant 70 ans le même jour, les citoyens se réunissaient sur sa tombe pour rendre hommage à ce véritable héros. Peggy remercia les étrangers d'avoir pris grand soin de son mari pendant tant d'années. Après sa première visite, Peggy revint à Nantes tous les ans pour rendre hommage à son mari. Les citoyens de Nantes, extrêmement fiers de l'avoir avec eux, la considèrent maintenant comme une citoyenne de la ville que son mari sauva il y a 70 ans. Nous pouvons retenir de cette histoire que le vrai amour demande de grands sacrifices et beaucoup de courage. Billy s'est battu pour ce en quoi il croyait et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver la vie de nombreux innocents. Son épouse lui est restée fidèle, malgré le fait qu'elle savait qu'il ne reviendrait plus jamais. Même dans les moments les plus sombres de l'humanité, l'amour et le courage brillent toujours plus fort. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Cette histoire a parlé d'amour et on pense au mari dans l'histoire qui, au lieu de sauver sa propre vie, a décidé de donner sa vie pour que d'autres ne meurent pas. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Créateur, le Fils de Dieu, a donné sa vie volontairement. Il mérite notre amour. Amen. Il mérite nos vies. Il nous aime. Il veut nous sauver tous. Mais ce qu'il veut de nous, plus que toute autre chose,
c'est notre amour. Un amour manifesté envers tout le monde autour de nous. Sommes-nous en train d'aimer comme il a aimé? Quand on lit la Bible, on se rend compte qu'aimer, ce n'est pas le simple sentiment, loin de là. Nous devons manifester réellement notre amour. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14, l'amour du Christ nous presse. Et il a dit que nous devrions ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et Paul continue en expliquant que comment aimer le Seigneur que nous ne voyons pas, c'est en annonçant la bonne nouvelle. C'est en acceptant d'entrer dans un ministère de réconciliation, nous annonçons au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu. Et en parlant de Jésus-Christ qui a fait quoi? La Bible dit qu'il ne connaissait même pas le péché. Mais il a accepté le poids de nos péchés. Et il est mort sur la croix pour chacun de nous. Il a souffert à notre place pour qu'on ne souffre pas, pour qu'on ait la vie éternelle. Mais revenons à cette histoire d'aimer. Comment aimer? Nous devons surtout, pour aimer de manière pratique, veiller sur nos paroles. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous disent de ne jamais parler mal les uns des autres. Ce n'est pas à nous de juger, de critiquer, de parler mal. Sinon, nous serons jugés, comme nous avons jugé les autres. Au chapitre 5, toujours dans Éphésiens, nous voyons que nous devrions éviter les propos insensés, les paroles déshonnêtes. Nous devons éviter les plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est quoi des plaisanteries qui sont contraires à la bienséance? Nous grandissons en ne pas étant convertis dans le monde, apprenant à nous défendre. Quelqu'un nous insulte, on insulte en retour. La Bible nous dit de faire le contraire, de bénir même les gens qui nous maudissent. La Bible nous ordonne, le Seigneur nous ordonne d'aimer nos ennemis, de prier pour eux et de leur faire du bien. Mais trop souvent, nous faisons l'erreur de ne pas veiller sur nos paroles. Une petite plaisanterie, on fait une remarque, et parfois ces remarques restent dans l'esprit de l'autre toute sa vie. Je me rappelle dans l'église, quand j'étais petit, quelqu'un a fait une remarque à mon égard.
Et cette remarque, après toutes ces années, la personne est décédée. Ça me trouble. Ça me trouble. Parmi les jeunes, parmi les personnes âgées, on peut faire l'erreur de plaisanter en disant, mais enfin, je ne voulais rien signifier en disant ça. Je ne voulais pas vous blesser. Mais on blesse. On doit veiller sur ces paroles. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Mais uniquement des choses, des paroles qui vont aider les autres. Combien de personnes voudraient, beaucoup d'amis, vous voudriez influencer ces amis pour le Seigneur? Ne parlez pas trop. Si vous voulez influencer, ne parlez pas trop. Écoutez. Ne cherchez pas à être le centre de l'attention des autres. Mettez les autres au centre. Posez des questions aux autres pour les connaître. Ne cherchez pas à vous imposer en disant aux autres ce que vous êtes. L'amour ne se vante point. Ne cherche pas son propre intérêt. La Bible dit que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et nous sommes poussés, dans le Nouveau Testament, à mettre en avant les autres, à aider les autres à progresser dans la foi, à devenir comme le Christ. Nous ne devrions pas chercher à nous faire admirer. Nous devrions être des servantes et des serviteurs des autres en les élevant. C'est aimer. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il s'est mis à genoux. Il a lavé les pieds de ses disciples avant d'être crucifié. Lui, le Créateur, qui avait tout, il s'est dépouillé. Il a tout abandonné pour devenir un homme afin d'être crucifié. Pour nous sauver. La Bible dit quoi? Soyez toujours joyeux. Parce que si vous avez toujours une tête de cafetière, c'est difficile d'encourager les autres. Qui va vouloir être comme vous? La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il faut oublier, mettre de côté les choses mauvaises, nous concentrer sur le Seigneur et nous réjouir en lui. Lui qui peut tout changer et qui peut changer les gens autour de nous. Cessez de vous mettre à la première place. Combien de fois est-ce que Jésus l'a dit à ses disciples? Mettez-vous en arrière. Mettre les autres aux premières places. Ne cherchez pas la gloire. Marchez humblement. Aimer, c'est ignorer les fautes des autres. L'amour couvre une multitude de péchés, la Bible dit. Amen.
nous jugeons trop vite les autres. Vous savez, quand quelqu'un se convertit, il faut un certain temps pour que la personne comprenne, pour que le Saint-Esprit change pleinement son cœur et ses actions. Si nous essayons de changer la personne, ça ne va pas marcher. Et parfois, même si on parle à quelqu'un et la personne, pour ne pas être gênée, va changer, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Une personne doit vouloir changer par amour pour le Seigneur, parce qu'elle est convaincue que c'est biblique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous devrions tout faire pour que les autres progressent. Pour que les autres deviennent comment? Comme le Seigneur. Dieu a placé dans l'Église les différents ministères, selon Éphésiens 4, pour que tous arrivent à la stature parfaite du Christ, qui était parfait en pureté, en amour. Il est notre modèle. Est-ce que nous vivons vraiment pour le Seigneur et les autres? Sommes-nous le bon Samaritain? Ou comme les autres qui sont passés à côté de celui qui était dans le besoin? Lisons dans 1 Corinthiens 13. Paul souligne dans 1 Corinthiens 13 que ce qui est le plus important n'est pas de parler en langue, ce ne sont pas les dons spirituels. Pourtant, il en avait parlé au chapitre 12. Et il en parle encore au chapitre 14. Mais il souligne l'importance d'aimer plus que toute autre chose. Dans beaucoup de Bibles, c'est traduit par le mot « charité », mais tout simplement parce qu'en grec, il y a trois mots pour « amour » et « l'amour le plus élevé qui est divin, c'est l'idée d'aimer, même s'il n'y a pas de retour, même si l'autre personne ne va pas nous aimer ou apprécier ce que nous avons fait. Jésus-Christ a donné sa vie pour tous. Pour tous. La majorité ne l'apprécie pas, n'y croit même pas. Mais il s'est donné pour tous. Paul a dit, verset 4, la charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Vous vous rendez compte? Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Nous sommes en train de parler de l'amour divin. Qui peut être manifesté par nous si nous sommes pleinement sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Elle ne soupçonne point le mal, donc on ne juge pas les autres. Elle ne se réjouit point de l'injustice,
mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Oh, les prophéties vont disparaître comme les langues et la connaissance par l'esprit. Quand nous verrons le Seigneur face à face, nous n'aurons plus besoin de ces choses. Mais il y aura toujours l'amour. Il y aura toujours l'amour. Êtes-vous en train, sommes-nous en train d'aimer comme Jésus-Christ nous a aimés? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'examiner votre cœur, votre vie, votre manière d'être avec les membres de votre famille. Comment est-ce que vous traitez votre frère, votre sœur, votre père, votre mère, vos enfants? La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. L'amour, c'est autre chose. Dieu nous appelle à aimer, à pardonner, à faire du bien, à ne jamais laisser sortir de notre bouche une parole mauvaise, mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce, qui édifie. Examinez votre cœur. Si vous avez péché, demandez pardon. Si vous pouvez penser à quelqu'un que vous avez blessé ou troublé par vos paroles, ou par vos actions ou réactions, je vous encourage à aller les voir et à demander pardon. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu as choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Mais tu exiges que nous acceptions de pardonner, même avec tout notre cœur. Tu exiges que nous acceptions d'aimer comme Jésus-Christ a aimé. Seigneur, en 2020, aide-nous à aimer. Et qu'un grand nombre de personnes désirent se convertir en voyant le modèle que nous manifestons. Aide-nous à être des modèles de foi, de pureté et d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière, vous avez du mal peut-être à pardonner, à aimer en tout temps, faites-moi signe, je voudrais prier pour vous. Oui, 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 plusieurs personnes. Amen. Peut-être que vous avez besoin de prière. Pour d'autres raisons, vous passez par des moments difficiles. Peut-être que c'est un problème financier, c'est peut-être un problème de maladie, problème dans la famille. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe. Oui. Amen. Élevons nos mains vers le Seigneur. Je vous invite même à vous lever et élevons nos mains vers le Seigneur.
demandons son aide, mais tout en priant pour les personnes à côté de nous aussi. Que le Seigneur aide, nous aide tous à aimer comme il nous a aimés, à vivre selon sa volonté. Que les malades soient guéris, car c'est promis. Que tous soient bénis financièrement afin de pouvoir bénir d'autres. Est-ce que nous pouvons élever nos mains et nos voix ensemble afin de prier les uns pour les autres? Alléluia.